Le câble sous-marin MEDEX, raccordant le réseau algérien de fibre optique au réseau international, est officiellement mis en service. Un projet qui permettra au pays de devenir un hub continental et un portail numérique au niveau africain en matière de TIC. Depuis la station de Sidi Selm à Annaba, j'ai l'honneur de vous annoncer que le réseau algérien de fibre optique MEDEX assurera une connexion opérationnelle pour 25 ans, offrant une connexion très haut débit de 8 terabits. À travers la réalisation d'Algérie Télécom, dans le domaine de sécurisation des réseaux et augmentation des capacités de débit de l'Internet, l'Algérie mobilise l'équivalent de 8 terabits qui, selon la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houda Feroun, représente 4 fois les besoins d'utilisation nationale, permettant ainsi au pays de se positionner sur le marché africain de commercialisation des services Internet. Suite aux instructions du président de la République quant à la sécurisation du réseau international à travers un câble qui a été mis en service par des ingénieurs algériens, ce qui permettra d'obtenir la souveraineté nationale dans le domaine des télécommunications, le défi d'aujourd'hui est d'exploiter les acquis et réalisations en matière de technologie et du numérique pour servir l'économie nationale. Lors de sa visite, la ministre a évoqué un deuxième projet similaire. Il s'agit de la réception d'un autre câble sous-marin qui joindra la wilaya d'Oran à Valence en avril prochain. Un projet qui permettra l'augmentation du débit et l'amélioration des services Internet.